Nous avons date 9 février 2018. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH. Et pour Kounia, nous allons présenter au grand titre. Direction départementale NIP TPTC recevoir flot équipement PAL vendredi 9 février pour faire travail caravane changement. C'est président de la République la Jovenel Moïse qui remet équipement sa yo en présence autorité locale yo. L'État haïtien recevoir yon quantité tracteur vendredi 9 février nommé compagnie Atlantic Motors qui te gain contrat pour faire commande là. C'est ministre agriculture ressources naturelles et développement rural avec plusieurs autres cadres dans ministère qui recevoit matériel sayo, matériel qui pral utilisé dans cadre caravane changement. Président République la Jovenel Moïse qui te gain avec premier ministre Jacques Guy Lafontaine, député circonscription Léogane Jean Wilson Hippolyte avec l'autre ministre dans gouvernement visité jeudi vendredi 9 février à Parc Habitation Leclerc dans Matissan. Première dame République Martine Moïse en collaboration avec ministère santé publique et puis comité urgence avec secours annoncé vendredi 9 février à divers médias concis sous différents points fixes cap disponibles sous tout parcours carnaval là pendant 3 jours pour aider moun qui t'a nécessité soin. Aucun monde pas supposé marcher sous Pakou Canavala, pique, faux point, zama feu à Kabouret. C'est mise à garde, porte-parole, police nationale à France Lerbourg, qui rappelait toute disposition prend pour sécuriser Canavalier. Toute disposition déjà prend pour bon déroulement carnaval la 11, 12 et 13 février, d'après membre comité, l'AGI Carnaval National. Et puis, dans le pays États-Unis, parlementaire américain a adopté une loi budgétaire. Décision ça écarté menace pour l'administration publique américaine, pas ta fonctionnelle. Restez avec nos amis TNH, Titia Claude sujet pour le développer dans le journal pour assurer. Bonsoir tout le monde, j'ai noté annonce au président de la République, la Jovenel Moïse, qui était gagné à Cli, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, député circonscription Léogane Jean Wilson Hippolyte, avec l'autre ministre dans le gouvernement, visité jeudi vendredi 9 février à Parc Habitation Leclerc en Matissan. C'est Fondation Connaissance avec Liberté Focale qui a géré Parc Matissan depuis l'année 2008. Chef l'État promet pour faire suivi travail, réhabilitation, Parc Matissan. Reportage Saint-Croix-Paqui à PEMS Jean-Baptiste. Visite président République la Jovenel Moïse à chef gouvernement Jacques Guy Lafontaine dans Parc Matissan. Entrer dans quatre démarches administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour renforcer et protéger espace ça. Chef l'État dit qu'il prend engagement dans la tête collée avec Focal pour poursuivre le travail de réhabilitation parc habitation Leclerc. Dans le souci de continuité de l'État, nous parions pour nous faire un engagement avec Focal sous affaire parc Matissan. Depuis 2012, le gouvernement passé a accepté de prendre charge pour budget de fonctionnement PAC là, c'est le gouvernement qui te finance, c'est l'État haïtien qui te finance. Publiquement, moi dis, nous parions pour nous continuer avec le programme ça. Je veux que Fondation Focal vienne féliciter, c'est ça, notre tête l'État, c'est lui. Que m'a goûté pour lui, depuis notre campagne électorale là, notre promesse de campagne, moi. Discours d'unité que m'a gagné, de cohésion que m'a gagné. Discours d'inclusion que m'a gagné. Et après 1 an et 2 jours, c'est même discours ça qu'il a. C'est même monde qui était candidat, c'est le président. Avec caravane changement, nous venons, nous mettons stratégie pour mettre l'État au service de tout le monde. Je ne viens pas pour mettre personne en face de personne. Je viens pour mettre chaque monde sur le côté de chaque monde. Tout pour permettre pour nous, mon pays, qui. C'est la perle des Antilles. Pays ça, d'ailleurs, habitation Leclerc, nous comprenons bien qui ça, ça veut dire. C'est là, il y a un colon français autorité. Et pourtant, je dis, regardez qui ça,
qui fait avec 21 hectares. Un gros pack qui fait dans Matisan. Mais ça t'est arrivé que pack ça tourne un gros bidonville. Ce n'est pas de bon président qui a une vision, qui était le président Préval, qui était on arrêté. Nous prenons le travail pour que partenariat public-privé communautaire là, participation communautaire là, vienne en réalité. Même gens, Pac Matisan son succès historique. C'est Fondation Connaissance avec Liberté Focale qui a géré Pac Matisan depuis l'année 2008. Président Focal là, Michel Duvier-Pierre-Louis, remercie le président de la République là, pour l'engagement qu'il prend pour continuer le travail, réhabilitation, habitation, l'éclair. Ça fait 10 ans que le président Préval a déclaré propriété sa yo, propriété l'État. Mais il a dit, il a fait là en condition. Est-ce que nous-mêmes dans Focal nous acceptons créer et puis gérer Pac Matisan? C'est un gros défi pour nous, tout le monde qui là qui songe, le bagage ça a commencé. La population Matisan a vécu un mauvais moment. Et en plus, il y a un gros problème de confiance qui n'a pas existé entre nous-mêmes, l'État et les citoyens et citoyennes dans Matisan. Premier bail nous fait, nous-mêmes dans Focal, nous avons demandé au conseil d'administration, nous, est-ce que nous sommes d'accord pour que nous entrions dans le gros défi ça, qui était protéger l'espace ça et créer une série d'activités avec Moun Matisan yo, pour Moun Matisan yo, pour Port-au-Prince, pour le pays. Ya. Et même pour la diaspora, parce que nous connaissons un pile monde dans la diaspora qui vient visiter nous tous. Nous sommes très contents que nous avons toujours continué à jouer un support au gouvernement, parce que nous avons presque 80 personnes qui travaillent dans le parc. Là. Et depuis 2012, l'État haïtien a pris un engagement, c'est lui-même qui a soutenu les frais de fonctionnement du parc, payer salaire aux gens qui travaillent dans le parc. Là. Et nous très contents que je dis encore, et président et premier ministre, pour engagement pour continuer tout. C'est ancien président René Préval, dans le cadre d'un arrêté présidentiel, qui était déclaré d'utilité publique, patrimoine historique, ça, qui chita sous 21 hectares dans Matisan. Ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural qui était gagné à Cli, directeur général, ministère à Brenne-Liégène et puis ancien ministre agriculture Lionel Valbois, recevoir plusieurs tracteurs qui prennent pour travail dans le cadre Caravane Changement vendredi 9 février. C'est compagnie Atlantic Motors qui a gagné un contrat pour commander tracteurs Sayo pour l'État haïtien. Reportage Richardson Jourdan avec Henri Robert Chéri. 52, c'est quantité tracteurs ministre agriculture, agronome Carmel André Béliard, accompagné avec directeur général institution Brandy Eugène et puis conseiller président PIA agronome Lionel Valbois, recevoir dans main responsable compagnie Atlantis Motors vendredi 9 février. Matériel agricole sa yo pral déployer dans département la Tibonite dans l'idée pour rabourer plusieurs terres plantées à l'agriculteur, selon ministre Carmel André Béliard. Nous-mêmes dans le ministère de l'Agriculture, nous pas de chita. Nous avons pris l'activité dans le cadre de Caravane. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous venons prendre réception de près de 52 tracteurs Mahindra. Et tracteur sa yo, nous est là, ce n'est pas tracteur qui pourrait rester ici. Ces tracteurs nous viennent réceptionner pour nous voir dans la Tibonite. Ces tracteurs sont qui pourraient compléter l'autre tracteur que nous gagnons déjà autour de 12 blocs de production. Chaque bloc est 600 hectares dans la Tibonite. C'est une série de tracteurs bien équipés qui ont capacité pour abourer toute qualité de terre, d'après directeur mécanique dans l'ODVA, Marc-Edouard Diejus. Ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, fait connaître une augmentation de 30% de récolte d'urée dans la Tibonite depuis le passage de caravane changement dans la région. Il espère 52 tracteurs saillants qui viennent ajouter sous sa tête déjà dans la vallée pour augmenter plus production d'urée. Pendant l'expliquer, mission au gouvernement, c'est améliorer les conditions de la vie, travailler la terre dans le pays. L'intervention que nous faisons déjà permet d'augmenter la superficie jusqu'à 10 000 hectares. Ouais. Donc, en objectif, nous-mêmes, avant le départ du président Jovenel, après 5 ans, c'est pour arriver à atteindre jusqu'à 60 000 hectares au niveau de la Tibonite. Et il faut que nous, ce n'est pas seulement dans la Tibonite, nous avons du riz. Nous avons du riz Maribaro, nous avons du riz dans Tobek, nous avons du riz dans Nip, etc. Au contraire, actuellement, nous avons l'autre programme parallèle avec Taïwan, côté nous comptons produire 20 000 tonnes de semences par année.
20 000 tonnes de semences certifiées, 12 000 tonnes par an au niveau de la Tibonite, 5 000 tonnes au niveau de Maribao et 3 000 tonnes au niveau de Tobet. Ça fait en total 160 tracteurs gouvernement commandés dans le cadre de caravane changement. Le sujet dans le journal, première dame république, Martine Moïse, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et puis le comité national urgence à secours, annoncé vendredi 9 février diverses mesures à consigne sous différents points fixes cap disponibles sous tout parcours carnaval pendant 3 jours. Il y a un reportage sur ensemble mesures avec Daline de Rival et Wilson Idoré. 13 sites mobiles, c'est quantité poste mobile fixe et poste mobile avancé qui sont disponibles dans tout parcours carnaval pendant 3 jours grâce au champ de masse. Parmi eux, 4 postes mobiles avancés pour les gens qui ont mérité une intervention chirurgicale ou bien les gens qui ont mérité rester sous observation. Malgré ensemble disposition sa yo, ministre Santé publique et population, Marie Greta Wa-Clément, fait connaître. A bien l'hôpital référentiel qui est disponible pour moun non seulement qui pas dans carnaval là mais tout pour moun poste médical avancé yo pas qu'à prendre en charge. Année ça nous gagnons 3 postes médicaux avancés, 2 de niveau 2 et 1 de niveau 1. Poste médical avancé niveau 1 c'est poste sur le stand de la première dame. C'est pralon poste médical qui est capable de faire intervention mineure et qui a gagné des lits d'observation avec des médecins spécialistes qui prend en charge les cas les plus avancés. Deuxième poste médical avancé, c'est derrière Dostan, ministère de la Santé publique, qui est exactement en face le plaza et c'est dans le kiosque Oxyde Gentil que nous avons gagné deuxième poste médical avancé. Ça. Troisième poste médical avancé, la sous-place Pétion. Je me rappelle que sur tout parcours, il y a des postes médicaux, j'aime ça dire, qui ont commencé depuis le stade Silvio Cator, qui ont fait tout parcours carnaval et qui, dernier poste, a joué sous la faculté de médecine. Carnaval, c'est ambiance pour tout le monde, pour grand monde, prend plaisir, protéger tête pendant qu'il y a protéger tout le monde qui pipiti. C'est déclaration directrice générale bien-être social, là, Ariel Gentil-Vildouin. Local bien-être social Axtang première dame là a disponible pour récupérer ti moun qui perdit yo pendant 3 jours carnaval là. Si gon ti moun qui est garé sous parcours là, à partir du moment que récupérer sous centre première dame là, après 1 heure ou 2 heures de temps, ti moun ça pas récupérer par bien-être social. Donc ça veut dire que à ce moment nous ka vinn récupérer yo dans bureau central bien-être social. Et moi ta capable passer un petit message tout qui est important d'ailleurs ministre là bay en pile message qui vous ta permettre que nous vraiment protéger Timounio. C'est vrai que son période de carnaval, au période côté tout le monde a fêté, mais s'il vous plaît, pas oublier que c'est toute génération qui mérite fêter, Timounio tout besoin fêter, donc protégez-yo, pas bousculer-yo, et c'est éviter pour nous pas faire des bagages qui pas bon, pour nous boire trop, côté Timounio qui a à risque. Protégez-nous, même si nous prenons plaisir, planifiez, évitez, si filles et jeunes femmes fait petite avant l'heure. Ces déclarations, première dame, non. Première dame, non. Mandez population à éviter tout acte malhonnête et acte violence pendant 3 jours gras. Je demande à nous, nous sommes frères, nous sommes sœurs, pas nous mettre une à l'autre. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, une à l'autre. Nous avons fait de tcha-tcha que nous avons fait pour tcha-tcha pour piquer l'autre. Pas faire ça, ça n'est pas bon. Zam moun ap tire moun, ou pas le bon moun qui va mourir sous contour, son maman qui a perdu un petit, son frère qui a perdu une soeur, son papa. Cap perd du petit lit. Donc son quoi toute qualité monde qu'on parle mettre de l'eau dans les yeux pour anti hack côté qu'a contrôlé elle que pas d'avoir arrivé jusque là. Gilet bouillie moi dit déjà zam couteau tcha-tcha pas la donne. Nous c'est frère et sœur. Nous qu'a prendre petit plaisir nous sans violence. Notre tête ensemble, pendant qu'on a protégé la tête nous. Parce que le carnaval là c'est pour 3 jours. Il y a tout le reste année qui a venu pour nous gérer. Il y a une planification pour nous faire pour tout le reste année qui a venu. Année ça, bureau première dame la République là, en tête collée avec ministère santé publique, bien-être social, comité national urgence et secours, avec diverses autres instances en de pays, prend diverses mesures pour bailler soins santé. Sous tout parcours. Protéger tête nous, protéger une l'autre. Son pas de convivialité liée, prend plaisir nous, ça nous pas obligé faire l'autre souffrir.
Et Direction générale police nationale d'Haïti a rappelé vendredi 9 février à un ensemble mesures qui prend pour permettre bon déroulement carnaval national qui a fait 11, 12 à 13 février qui a venu là. D'après porte-parole PNH, la France Lerbourg, il est interdit pour moun venir avec pic, faux points, zame à feu et brette dans le carnaval là. En même temps, PNH souhaitait carnavalier pour avoir un comportement responsable pendant qu'il a collaboré avec les policiers. En suivant extrait. La demande des publics là, de côté parler, pour lui. Soumettre à toute palpation éventuelle le policier, c'est pour sécurité tout carnavalier. Dans le point d'entrée, tout responsable secteur, ça qui arrive que décider et faire palpation ou bien vérifier valise pour assurer que pas aucun objet nocif qui a entré à le troubler festivité. Donc, nous ne prenons ni un revolver, pic, faux point. Tout le monde est interdit total depuis que nous jouons avec eux à Paris. Consigne spéciale, nous avons retourné pour nous dire policiers, continuer à faire usage modéré de la force, utiliser la force seulement l'aile nécessaire et accompagner les gens dans la musée. Peut-être pas eux pour être capable de faire la forme, nous conseillons pour prendre des suppléments de vitamines, c'est pas grave, et si vous prenez une boisson énergisante, tout, mais pas abuser de bagages, mais ce qui est important, c'est que vous avez la forme pendant 3 jours, parce que vous êtes très éprouvé, tant que nous connaissons. Nous avons demandé tout pour les responsables secteur pour veiller à ce que le point d'évacuation n'a pas l'air. Vous êtes clair, pas d'obstruction là-dedans. Point d'évacuation, m'a bini. Et puis, il faut regarder un contact permanent avec poste médicalisé. Et responsable post-médicalisé pour que nous soyons capables de gagner un contrôle sur le niveau de violence éventuelle qui a gagné dans le carnaval. Enfin, on a dit que le carnaval eux-mêmes ont gagné un comportement responsable. Tout. Et le commandement de la police a félicité le gros du public parce qu'ils ont participé sainement. Nous avons espéré que aucun bébé mati tout ça. Pour nous, à part de quelques petits cas que nous déplorons, pour que le carnaval 2018 là. Il bien passé. Pour point d'évacuation, 7000 que nous débattons l'autre jour, c'est pour tout carnaval que nous avons fait. 940 là, c'est pour périmètre intérieur, là, noyau dur. Là. Ou là, c'est-à-dire les 13 zones, les 13 secteurs qui ont des commandes responsables et qui ont back-up par des unités spécialisées comme c'est BIM, CIMO, UDMO et SWAT. Ça va prendre dedans. Maintenant, tout reste périmètre, vous n'avez pas oublié que nous avons 4 couches de périmètre en fait. Parce que le travail de la police a continué tout. Pendant que tout le monde est dans le carnaval, concentré, il faut que la police assure la sécurité dans le périmètre extérieur. Il y a un deuxième périmètre qui est capable, qui doit avoir un poste machin là-dedans, qui est le périmètre immédiat, côté que circulation d'armes interdit tout. Et puis, il y a un troisième périmètre qui est tout quartier environnant et habituel que nous avons sécurisé. Maintenant, on est sous tabac. Et en métropolitaine, c'est assez large. Troisième périmètre, là, c'est étendu, à Tabar, Croix des Bouquets, Pétionville, et Kinskoff, etc. Parce que la police a continué tout pour assurer que non seulement sur le chemin du retour, nous sommes sécurisés, mais nous qui parlent en carnaval, tout, que nous pas subi aucune agression de bandits. Membre comité élargi carnaval national a fait qu'on est paré pour déroulement activité carnaval pendant 3 jours grayo. Président comité à Claudel Dumas qui t'a intervenu dans une conférence spéciale ministère communication organisée vendredi 9 février a expliqué qu'il a déjà pris toutes dispositions nécessaires pour garantir bon déroulement activité. Reportage Racine Elzefort à Fresnel Toussaint. Il y a environ 3000 personnes qui ont pu participer comme acteurs dans le défilé carnaval national là qui a fait sous thème qui kembe Anissa. D'après explication Yannick lui, il y a un représentant mairie Port-au-Prince dans le comité élargi carnaval national là. Président comité à Claudel Dumas fait connaître au Paris pour organiser un carnaval qui répond à l'attente population. Nous parlons de belles choses artistiques. Je dis que le comité de travail et il y a des sommités là que nous connaissons et que nous pas besoin de passer qui passer de présentation qui fait des travaux extraordinaires dans ce sens ça. Et l'homme garde en termes de animation musicale différents groupes que nous connus qui connus déjà et que Fred parle de eux et nous prenons toute tendance
et nous prenons des ténors qui ont habitude, nous prenons racines, nous prenons émergents, et nous prenons ces deux groupes qui marchent en pile là sur le marché, comité après, et carnaval nous en paré pour lancer. Son défilé, pas vrai, qui a bien environ 3000 personnes là-dedans. Et moun sa yo, ça nous relaie les groupes déguisés ou bien les troupes de danse. Et à partir de thèmes qui choisit Anissa, Haïti sous route changement, défilé a déroulé sous thème ça. Son défilé qui gagne environ 6 séquences, nous gagne 12 chars allégoriques, nous gagne environ 49 jeunes entre filles et garçons. Qui des reines et des rois, le roi des rois, la reine des reines, suivi de défilé, après défilé ça, ou gen une séquence bonne à pied, peut-être 12 à 13 bonnes à pied, et tout de suite après bonnes à pied, ou gen séquence char allégorique intercalé avec un char musical. 21 groupes a gen pour créer animation dans carnaval national là, d'après Fred Lizier, responsable animation musicale. Parmi eux, Jackout Number 1, T-Vice, Barricade Crew, Walk Farm, Sweet Mickey, Border Sporty, Woody Wood Boy. Défilé a démarré à 3h après-midi. Ce groupe qui a gagné pour participer dans le carnaval l'année, ça, la palais de groupe musical. Yo. Nous avons Jackout Number 1, T-Vice, Crayola, Sweet Mickey, Walk Farm, Barricade, Bookman, Ram, King Passy, Zikos, Borders Passy, Woody Woodboy, Rev, Eaya, Casino, Kai, Impossible, Campèche, et puis Chalet. Nous disons Mas Compato. Bio National Ethnologie, gagne une exposition autour du carnaval haïtien. Qui est très important. Carnaval là, c'est en partie son expression et traditionnelle, son expression extraordinaire. C'est un pigou événement culturel qui gagne dans le pays d'Haïti. Côté toute qualité, dans toute couche, à exprimer. Et c'est en piste de recherche. Nous-mêmes, dans la biotechnologie, qui gagne rôle nous comme mission scientifique pour nous travailler sous impact, sous société, pour nous comprendre la société et faire société à comprendre tête li. Nous avons jugé important pour nous venir avec exposition ça qui racontait l'histoire carnaval et qui baillon. On regarde ce carnaval d'antan et je dis un carnaval qui a fait là. Haïti sous route changement. C'est sous thème ça, carnaval national là a déroulé à Nissa, sorti 11, rivé 13 février 2018 là. Membre comité élargi carnaval national là, invité toute population pour te participation par yon dans carnaval là, dans yon esprit unité, solidarité, pour vendre yon belle image pays à. Toujours dans ce qui est pour carnaval, l'école Saint-Clair d'Assise réalise un défilé carnaval dans la capitale vendredi 8 février. Plusieurs parents, professeurs et accompagnés élèves dans le défilé ça qui démarre dans l'école Saint-Clair d'Assise pour Albout sous place Sainte-Anne. Nous invitons à suivre un reportage avec Rodney Dorléan et Moïse Ulmich. Revaloriser Kiltinou. C'est sous thème ça, parents, professeurs et élèves l'école Saint-Clair d'Assise organisé défilé carnaval ça qui passait dans plusieurs rues dans la capitale là. C'est sous Rémé, nous avons développé le monde. Nous-mêmes dans Saint-Clair d'Assise, nous avons développé ZPD, Kaiti Mounayo, zone proximale du développement chez l'homme. Nous considérons chaque petit monde comme un citoyen mondial. Chaque petit garçon, son citoyen mondial. Chaque petit fils, son citoyen mondial. Et ça fait, nous investissons nous, énergie nous, tout ça nous gagne bien nous, au service des enfants. Timounio, dans la façon de habiller, représentait diverses personnalités. Déguisement ça, d'après une professeur l'école Saint-Clair d'Assise, fait dans l'idée pour mettre Kilti PIA en valeur. Nous représentons les 10 départements, nous avons Reine du Nord, Reine de l'Ouest, Reine des Nippes, Reine de l'Artibonite, ainsi de suite, et puis nous avons Reine d'Haïti. C'est Haïti, nous voulons mettre en valeur, pays nous, Haïti nous voulons mettre en valeur. Parents et élèves, dans l'occasion, battent bravo la contentement pour 3e édition carnaval l'école Saint-Clair d'Assise.
Et travail construction stand pour recevoir carnaval national là n'importe où prince avancé sous champ de mars. Si c'était dans extrait ça yo à peine commencé, majorité l'autre yo trouvé yo dans stade finition yo côté penti déjà à appliquer sous yo et puis Atis pral mettre couler. Isaïe Réluissac, Bernard Marseille pour un reportage. Peintre, charpente, électricien, calligraphe et l'autre professionnel mobilisé dans le travail construction stand sa yo. Sorti avenue de la République, viré dans Ricapoa, à bout devant Rex Théâtre, qui représente l'espace carnaval là, c'est un véritable chantier. Mato, si, rouleau et l'autre matériel mettez ensemble pour préparer l'espace qu'après se voit carnaval yé yo. C'est une série construction qui a lié sous des bocs à roue et puis qui gagne confort et sécurité nécessaire d'après quelques boss. Travail ça permet tout différents professionnels qui impliqués rentrer l'argent pour répondre à besoin yo. Professionnel ça yo salier j'effort autorité yo pour réalisation événement qu'il tire ça capé des publics là défouler et puis rentrer qui choy. N'a travaille très bien par des matériaux, il y a tout bagaille bon. N'a garder qui gens pour finir stand là pour carnaval là pour petit jeune pour plaisir. Pour grand monde yo tout pour plaisir, ça c'est troisième stand carnaval. M'a tente comme l'école timoun yo. Aime couvrir l'école. Nous on travaille. On fonctionne de deux côtés là, dans des stands. On monte aller à la réserve pour des bombes comme stand premier stand là, la réserve pour notre stand ça me beaucoup toucher comme ça. Tout ce que là net tout a travail là. Pas que question de gêner qui me comme. Nous espérons n'a toucher quand même parce que depuis le travail, faut nous toucher. Nous gagne quoi quand même. Parce que même qu'il va tomber aujourd'hui à là, nous espérons demain si je veux quand même, faut pas nous en la main nous parce qu'il travaille pour ça. Ces dates 11, 12 et 13 février qui viennent là, qui kembe pour déroulement carnaval national là, dans Port-au-Prince. Il y a une manifestation culturelle qui a déroulé en baptême Haïti sous route changement. Et Fondation Rose et Blanc organise carnaval à Poutimoun dans le Théâtre National jeudi 8 février à président Fondation Sophia Martelly déclaré activité sa fête dans l'idée Poutimoun à Museo dans une ambiance culturelle côté yo jouer, danser, faire course, sauter code, tresser ribban et puis manger ensemble. Sophia Martelly prévoit faire l'autre activité à Poutimoun dans zone Théâtre National pour entrée scolaire 2018 cap Vinila. Il profite lancer un message à prudence by tout carnavalier yo. Un extrait. Moi t'ai fait une activité en décembre là et me pensé que cadre là agréable, moi réaliser que une grosse population qui dans zone là et me pensé pour qui pas pour ne pas venir tourner là pour carnaval pour que tout monde dans zone de ca profiter amuser et nous connaît que tout monde toujours représente une place importante pour nous dans fondation hein. Et me pensé année ça pour faire carnaval les enfants pour eux. Et nous avons un espace théâtre national non, 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 pour faire. Nous avons des petits mouns dans le quartier avoisinant. Et puis nous décidons de faire une fête pour eux. Nous essayons de tourner avec certaines traditions. Nous avons des rares femmes. Nous avons des gens qui ont des rubans à l'heure. Nous faisons des courses et sacs, sauter cordes, etc. Et nous avons des beignets au niveau de manger. Nous avons des beignets, pâtes cordées et popcorn fresco. Bien ce que nous mettons pour les gens pour amuser. Carnaval, je pense que c'est une fête de plaisir. Je m'a toujours dit yo, pas faire violence. Et les gens qui ont boué, posé, font citer que frère sous ta fière, les gens qui ont conduit, pas faire vitesse, je pense que ces messages de prudence sont faits de fraternité, côté tout le monde supposé mêler, tout le monde ensemble, nous faisons youn. Je dis tout le monde joyeux carnaval et je me dis posez tes frères sous quel que soit que vous avez fait, l'excès en tout le monde. C'est le moment pour nous observer une pause commerciale. Nous allons tourner dans un petit moment. Merci pour fidélité. Attention, on a poursuivi avec information. Un groupe député dans 50e législature, Tankou Deus Deronette, Franck Clôture, Alcide Rodney, Cherchon Guerra, Smith Romual et Fritz Chéri, écrit bureau chambre députée pour demander de fixer une date pour interpeller ministre de justice là et il dit Fortuné. Parlementaire dit ministre Fortuné. Pas appliquer feuille de route gouvernement La Fontan remettre lien yon extrait dans micro Fédéral confident avec Moïse Wilbridge. Les nous analyser feuille de route qui était confié en dans gouvernement ça premier ministre était confié à chaque ministre et nous estimer que ministre justice là passé à côté feuille de route là et prend toute l'autre tollé qui fait dans domaine justice là pendant période de gouvernance là et ça va nous assez raison pour nous un contrôle beaucoup plus serré un contrôle spécifique sur travail
ministre de justice là il a fait en dedans gouvernement question pour le bail justice à la population haïtienne. Quand nous attendons que le président chambre député a fait nos réponses par rapport avec correspondance non pour capable programmer une séance après carnaval là pour capable programmer séance ça bien rapide pour nous question pour chaque député chaque circonscription qui représente capable entrer approfondi question de gestion de ministre justice là pour nous est-ce que gain cas d'efficacité ou d'inefficacité. Député yo gagné mandat pour yo contrôler action exécutif là. Donc nous bay budget à gouvernement pour les fonctionner et ministre là il a défaite, il y a une possibilité pour gagner des techniciens. Depuis nous analyser les que devant nation que nous montrer que soit l'efficace li ka gon vote de confiance, si l'inefficace c'est un vote de non confiance. Donc me pense moyen politique là c'est li dépend de diagnostic nous va faire ensemble dans chambre de groupe. Les organisations pour réconciliation nationale annoncées vendredi 9 février à l'IPRA lancé 8 mars projet réhabilitation pour femmes victimes de violences à Kadejak. Responsable Ronan, Atissa Steve et Carole Altenor fait qu'on est projet ça visé pour te support by femmes qui victimes de violences à Kadejak. Il y a un extrait dans le micro TNH. On gagne un projet qui c'est projet réhabilitation pour les femmes victimes. Victimes de violence et de Kadejak. Violence sous toute forme. Violence sous fille, garçon qui était petite dans mel, li viré là, li pas occupé, son violence. Affection, yo pa bay madame yo nan foyer à son violence. Fille tout qui pa bay mari yo affection nan voix nan foyer à tout son violence tout yo fait sous garçon yo. Parce que organisation ron pa défendre droit femme seulement. On famille pa construit des femmes seulement, li construit des filles, garçons, petites. Alors organisation ça initiative palse défendre droit garçon et droit femme yo pour yo respecter. Parce que les mesdames yo fait monsieur yo en bagaille. Mesdames, vous avez un côté pour y porter plainte qui est le ministère des conditions féminines, qui est tant divisé foyer déjà parce que vous avez une force côté là. Mesdames, vous avez un côté pour y porter plainte, mais si vous n'avez pas un côté pour y porter plainte vous-même. Nous n'avons pas de problème avec le ministère des conditions féminines, alors pour le ministre ne pas penser que c'est dit nous dit ministre ou pas de place là. Non, nous voulons un ministère qui pour famille, qui pour gérer affaire famille. Les ministère des conditions de la famille. Là qu'on y a droit garçon pour le respecter, droit fille en tout pour le respecter. On profite occasion ça pour demander parlementaire yo à gouvernement pour ta gagner un ministère de la famille. Un ministère la famille qui pour défendre problème famille yo. Tout bon vrai. Cap aider nous combattre délinquance juvénile. Programme ça visé à prendre mesdames yo bien vivre avec mari yo. Apprendre messieurs bien vivre avec madame yo remet Mario en chéril belle affection ni pour messieurs tout won profiter occasion ça pour dire un gros aïe bobo pour toute organisation qui supporte programme changement gouvernement Maurice Lafontaine. L'autre sujet dans le journal, il y a un groupe élève lycée Guy François Malari visité vendredi 9 février à l'hôpital général dans l'idée pour distribuer kit sanitaire by Maladio. Maladio était très satisfait de visiter ça et puis remercier élève. On a invité au suivi un reportage avec Colo Elisère avec Bernard Marseille. Médicaments, pâte dentifrice et papier hygiénique, c'est quelques produits sanitaires élèves lycée Guy François Malari distribués par malades dans l'hôpital général. Selon le secrétaire classe Filoa, Silfa Poltaï Nachila, c'est environ 250 kits comme ça qui ont distribué dans 4 journées. Nous avons demandé pour l'autre monde qui suivent l'activité ça, pour nous comprendre les gens en souffrance, les gens malades, pour nous porter coller. Bien que nous n'ayons pas de faible moyen que nous gagnons, nous payons 250 kits ensemble avec malades. Et ceci, gagnent qui payent médicaments, nous prenons quelques ladeurs comme ceux qui ne peuvent pas exécuter. Qui pas qu'à exécuter et prescription et puis tout nous acheter pour eux, bien que nous pas de moyen pour nous faire pour un pile monde. Dans l'occasion, président classe Filoa, Meshak Almera, souhaite autorité prendre responsabilité par rapport à la situation maladie dans l'hôpital général. Et ça, c'est dans l'école là,
mais avec et promotion pas nous depuis en seconde n'a fait et gens d'action ça parce que c'est l'hôpital tout le monde majorité monde fréquenté et monde qui pas rien comme monde qui pas rien moyen et jodi nous venons là c'est pour que nous voyons appel bah, toute classe dans le pays là l'hôpital là c'est l'hôpital nous lié nous supposer comme si voyager sur le sac fait jodi dimanche là nous tout élèves ça nous là pour que nous venons aider monde ça pour que nous venons fêter ensemble parce que le bac social fait carnaval nous venons faire carnaval avec eux jodi. Ça fait 3 années, une après l'autre, élève lycée Guy François Malari visite l'hôpital général dans l'occasion carnaval étudiant et puis distribuer kit sanitaire by malade. Et vendredi 9 février, Unité Force Populaire annoncé premier congrès national a fait samedi 10 février dans Gymnasium Vincent. Activité ça gain pour objectif porter solidarité yo ak caravane changement. Puis loin, responsable communication Patissa fait appel à tout secteur populaire pour venir participer dans congrès ça. Compte rendu Mildred Milias ak Bernard Marseille. Congrès national Force Populaire. C'est un moyen qui permet aux militants de participer dans le changement qui a fait dans le pays à travers la caravane changement. Dans ce sens, quelques militants expliquaient qu'ils ont appuyé la caravane changement, chef l'État a lancé dans l'Ouest. Ça a facilité le secteur populaire, contribué à l'avancement du pays. Nous avons ensemble d'activités que nous allons faire dans 10 départements pour nous mettre le secteur populaire, pour nous récamper le secteur populaire. Secrétaire général Unité Force Populaire, Samson Estilé, montrer caravane changement, c'est un outil président de la République là, mettez sous pied pour permettre à la population de jouer plus de service. Samson Estilé a profité de laisser un bilan positif pour la réalisation de la caravane dans le département qui passait déjà. Au niveau de l'unité Force Populaire, nous dresser un bilan positif eh bien, de ça que le président Jovenel Moïse a réalisé. L'entre caravane changement qui commence le 1er mai 2017, eh bien, à Jodia, 10 départements ont équipé de une série de matériels lourds, de un lot d'équipements qui pour permettre eh bien, chaque direction départementale, eh bien, ministère des Travaux publics, sont capables d'intervenir dans l'infrastructure routière, qui ont fait route, eh bien, sont capables de faire ça nous relève infrastructure agricole. 7 février, caravane changement lancé dans le département de l'Ouest. Responsabilité Force Populaire qui invite la population à manifester solidarité avec le programme ça. Fait qu'on est, il a profité de présenter le cahier d'oléance dans le cadre du congrès demain samedi 10 février. Et puis, il faut qu'on ait ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agenor Cadet, remettre bah, lauréat concours sur rédaction scientifique sur le développement durable vendredi 9 février. Concours ça qui était lancé 10 octobre 2017, là, réalisé à partir du support financier coopération canadienne avec UNESCO. Jenner Bika Seyus avec Frisnel Toussaint a présenté un reportage. Franski Calixte, Domon Price Carlo, James Plaisimont, Ralph Mackinson Le Fruit et Jean Ederson Jean-Pierre, c'est nos 5 lauréats concours sur rédaction scientifique ça. Jeune Sayo fait partie 43 universitaires qui ont participé dans le concours ça selon le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Cadet. D'après le ministre, la démarche ça rentré dans le cadre de travail l'État ici a fait pour encourager les jeunes universitaires. Engagement dans l'État pour nous encourager la recherche, non seulement au niveau de l'enseignement secondaire, mais surtout dans le niveau université, parce que une des principales missions de l'université, c'est la question de la recherche. Je dis à, en 2018, coût en dans l'université, pas qu'à faire toujours, même gens dans la période 19e siècle, même gens dans la période 20e siècle, ou même plus devant que ça. Donc je dis à, enseignement, il doit un enseignement de qualité, quel que soit le coût du passé, quitte c'est dans l'école fondamentale, quitte c'est dans l'école secondaire et surtout dans l'université. Franski Calixte, c'est le premier lauréat concours. Il félicite le responsable du ministère de l'Éducation nationale pour l'initiative. Selon lui, l'activité a pu encourager les jeunes universitaires pour produire plus. Oui, que le travail est apprécié à sa juste valeur. Donc, son sentiment de fierté parce que concours là, on était au courant dans le dernier moment.
Donc, nous avons consenti des sacrifices énormes. Pour nous avoir produit texte, ça, ce n'est pas un simple texte, un texte scientifique lié. Donc, ça demande de consulter des documents. Donc, pour nous arriver à produire et dissertation. Et dans le dernier moment aussi, si nous avons des contraintes pour remettre le travail là. Donc, c'est persévérance et puis, quoi. C'était sous thème développement durable. Étudiants ont réalisé travail recherche. Chaque lauréat recevra un laptop. 1er juin, 1000 dollars américains. 2e juin, 500 dollars. 3e recevra 250 dollars. Les deux derniers recevra 100 dollars américains. N'a pas passé pour qu'on y ait une page publicité encore arrêté avec nous. N'a pas tenu un clôt information. Continuer à information locale côté direction départementale NIP TPTC à recevoir Flo équipement PAL vendredi 9 février pour faire travail caravane changement. C'est président de la République là, Jovenel Moïse, qui remet équipement SAIO en présence autorité locale. Matériel SAIO vient renforcer équipement qui était là déjà dans caravane changement au niveau département NIP là. Chef l'État, mandé population. Voyager sous matériel SAIO. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Matériel SAIO vient renforcer équipement direction départementale NIP TPTCA qui déjà avancé à caravane depuis environ 6 mois. Équipement SAIO vient dans bon moment d'après député Miragouane Yvon Gess et sénateur Francenet Denius qui expliquait travail en pile dans toutes 11 communes département NIP. Ils vont l'utiliser pour asphalter, pour adoquinage, pour assainissement, pour curage canaux. Question qu'on a, pour question infrastructure agricole, dans question environnement. Ils vont pas l'utiliser tout pour construire l'école, université. Nous connaissons nous campus, université d'Anip qui pour construire. Nous connaissons nous l'école nationale qui pour construire. Nous avons lycée qui pour construire. Par exemple, lycée national d'Olivier, lycée Saint-Michel, lycée Jacques Prévert, que grâce à Premier ministre là, nous prenons la grandir là, parce que le projet a pris le commencé à démarrer. Président Jovenel Palel et l'y réaliser. Ça m'a montré volonté président pour l'y atterrir. Et c'est pour ça que m'a dit, moun l'anip, bat yon bravo pour président pour action ça que le pose jodi a. Avec matériel sa yo, président augmenter capacité d'intervention direction départementale travaux publics yo. Nous connaissons NIP, yon nan pi gros problème NIP, c'est de l'eau qui prête pour faire disparaître commune yo. Nous gen commune Baradère, nous gen commune Tirivière, nous gen l'asile, nous gen Fondeneg, nous gen Plaisance. Ces deux communes, si nous pas intervenu pour nous curer rivière yo pour nous renforcer berge yo finalement commune sa yo y a disparaître. Une fois encore chef l'État applaudit décision parlementaire 50e législature te prend pour voter budget république là qui permet exécutif là qu'à réaliser travail tout partout dans pays a. Président Jovenel Moïse annoncé forum élu yo pral fête dans département NIP yon façon pour autorité locale yo brasser l'idée sous besoin département. Nan niveau panneau niveau gouvernement planification yo bien faite. Maintenant reste là. Me sont attendé sénateur avec député Gess magistrat qui a parlé là. C'est que go volonté manifeste qui dans tête yo pour yo si ba yo ta bien fait. C'est ça qui fait mandé coordination caravane là. Pour yo faire un forum départemental des élus dans chaque département. Me quoi a commencer dans le nord. Me sont dans sud-est hier. Nous avons livré équipement même genre, nous avons livré là. Ça veut dire équipement qui sont livré dans le sud-est là, c'est même quantité d'équipement qui a livré dans NIP. Mais nous pouvons faire un forum des élus départemental pour tout le monde citer ensemble. Pour nous dire, moi-même, je vais dire ça, je viens à la priorité. Qui est la priorité du gouvernement? Qui est la vision du président? C'est connecter tout communion ensemble dans le pays. Pour connecter toute communion dans le pays, il faut connecter toute communion dans le département. Par exemple, département NIP, nous avons commune l'asile qui n'est pas connecté avec commune à nous. Nous priorisons route l'asile à nous. Nous avons commune à nous qui n'est pas connecté avec un savou. Nous priorisons route à nous en savou. Nous avons commune Baradère
qui pas connecté avec commune en Savoie. Et comme une petite route de Nip. Parce qu'on dit, n'a pas les deux routes asphaltées, font clair. C'est pas ça nous, qui là, non, c'est pas tracé là, non, on n'a pas les routes asphaltées. Sud et Grandanse, c'est deux derniers départements qui étaient pour recevoir l'eau équipement paillou. Ils ont promesse qu'à respecter pendant le week-end ça. Chef l'État a demandé population à voyager sous équipement saillou pour ensemble travailler, qu'à bien dérouler. Nous voilà Kounia dans actualité internationale en direction Brésil. Côté ambiance carnavalio déjà commencé précisément dans Rio vendredi 9 février 2018 là. Activité carnavalio faite dans cet épito, yon rencontre entre plusieurs musiciens pour édition 2018 là, mais Rio a prend décision pour pas mettre aucun touriste dans tradition samba drum là qui ni ba yo accès pour un spectacle qu'a fait dans la rue. On suit. De rue sont plus joyeuses. Tout le monde peut en profiter et à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'important comme lorsque vous devez payer pour entrer dans le sambodrome. Ici, n'importe qui peut se joindre à la fête. Les sans-abri dansent avec les médecins. Et dans le pays États-Unis, députés américains ont adopté une loi budgétaire vendredi 9 février 2018. Là, décision ça a écarté menace pour l'administration publique américaine. Pas ta fonctionnelle en suivre. Aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires pas prennent le chômage grâce à votre loi budgétaire dans le Sénat et dans la Chambre représentant. Accord budgétaire sur finances État fédéral est capable de servir jusqu'à 3 mars qu'à venir là. 240 parlementaires votent pour, alors que 186 votent contre texte ça. Dans le Sénat, républicain Rand Paul a empêché vote ça pendant plusieurs temps à cause pas d'accord avec l'élèvement des dettes. À quoi prévoit augmentation des pensions pour plus passer 300 milliards de dollars dans le secteur tant qu'au défense et santé. 20 janvier passé, à cause d'entente qui pas très joindre sous budget ça, administration Champlain a voué dans le chômage fonctionnaire plusieurs ministères, services fiscaux et pacte national pendant 3 jours. Et la Cour d'appel Versailles a confirmé vendredi 9 février 2018 là, Jean-Marie Le Pen pas fait partie Front National là encore. Cependant, la Cour a précisé décision ça pas affecté statut en tant que président d'honneur parti à en suivre. Dans le pays la France, la Cour d'appel Versailles là allait dans le même sens avec décision tribunal instance Nanterre là, côté le confirmé exclusion Jean-Marie Le Pen dans Front National vendredi 9 février 2018 là. Je dans la Cour d'appel Versailles là précisé décision ça pas affecté statut en tant que président d'honneur parti extrême droite là. Jean-Marie Le Pen rivé fait 25 000 euros dommages avec intérêt et qu'a siégé dans le bureau politique et puis Front National la doué Bali 5 000 euros pénalité pour chaque infraction constatée. Le secrétaire général Front National a déjà annoncé la peinte de Jean-Marie Le Pen accès à congrès là qui prévoit dérouler dans l'île 10 à 11 mars prochain. Et puis, la fois qu'on est deux mouns perdu la vie au vendredi 9 février 2018 là, dans une inondation dans le pays Bolivie, qu'on appelle là président bolivien Evo Morales décrété état d'urgence depuis commencement saison la pluie, yon quarantaine moun perdu la vie, surtout dans glissement terrain, pour qu'on y a environ 50 000 Boliviens désormais dans la rue et puis 6 000 hectares détruits. Voilà, Zami TNH, c'est là, n'a pas le mettre en bout à journal, mais avant nous aller, n'a pas rappelé au pigou.io. Direction départementale NIP, TPTC recevoir Flo Équipement PAL vendredi 9 février pour faire travail Caravane Changement. C'est président République la Jovenel Moïse qui remet équipement Sayo en présence autorité locale. L'État haïtien recevoir une quantité de tracteurs vendredi 9 février à nommer compagnie Atlantic Motors qui était un contrat pour faire commande l'an. C'est ministre agriculture et ressources naturelles avec développement rural l'an. Et puis, avec plusieurs autres cadres dans le ministère qui recevront matériel SAIO, matériel qui pourra utiliser dans le cadre Caravane Changement. Président République, la Jovenel Moïse, qui te gagne avec lui, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, député circonscription Léogane, Jean Wilson Hippolyte, avec l'autre ministre dans le gouvernement, visité jeudi vendredi 9 février à PAC Habitation Leclerc dans Matissan.
Première dame République là, Martine Moïse, en collaboration avec ministère Santé publique et puis Comité national urgence et secours, a annoncé vendredi 9 février diverses mesures et conseils sur différents points fixes qui sont disponibles sur tout le parcours carnaval pendant 3 jours pour aider les gens qui ont nécessité soin. Aucun monde n'a pas supposé marcher sous parcours carnaval pique faux point zam à feu à bouette. C'est mise en garde porte-parole police nationale là, France Lerbourg, qui rappelait toute disposition prend pour sécuriser carnavalier. Toute disposition déjà prend pour bon déroulement carnaval là 11, 12, 13 février, d'après membre comité élargi carnaval national. Et puis, dans le pays États-Unis, parlementaires américains ont adopté une loi budgétaire. Décision ça a été menace pour l'administration publique américaine, pas fonctionnelle. Merci tout le monde qui t'a suivi dans le TNH là. Nous souhaitons passer un très bon week-end et à bientôt.